Notre messe aujourd'hui, c'est pour le repos de l'âme de Cécile Bonin, recommandée par la famille Bonin. En cette célébration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ ressuscité et la joie de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, accueillons dans la cime de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi
ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux les hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non sacrées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. En vérité, je vous...
Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ses portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au Nord, 3 au Midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de la ville. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est la lune. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans le temps pascal et avant la célébration de l'Ascension et de la Pentecôte, nous pouvons encore relire les paroles du sermon de la Sainte Cène, où nous devons voir des différentes façons de présenter un message tout à fait unique, car il émane de l'union du Père, de l'union du Christ avec le Père, et de la volonté de Dieu
de nous associer à ce mystère de l'amour et le mystère de la paix. Un jour, on présenta à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus plusieurs cadeaux pour qu'elle choisisse. Et elle dit, je prends tout. Et quand elle eut grandi, elle comprit que ce prend tout devait être concrétisé en désirant être l'amour dans l'Église, car un corps sans amour n'aurait aucun sens. Dieu est ce mystère d'amour, un amour concret, personnel, devenu chair dans la personne du Fils Jésus, qui en arrive à tout donner lui-même. Sa vie et ses actes sont le plus clair et le plus grand message de Dieu. La paix naît de cet amour qui embrasse tout. La paix aujourd'hui nous manque. La paix aujourd'hui nous manque. Elle nous paraît un rêve. Nous voulons la paix, mais partout, ce n'est que angoisse et violence. La guerre. Nous n'atteindrons pas la paix que si nous nous tournons vers Jésus. Car c'est lui qui nous la donne comme le fruit de son amour total. Mais ce n'est pas à la manière du monde qu'il nous la donne. Car la paix de Jésus n'est pas la quiétude et le laisser aller. Tout au contraire, la solidarité devient fraternité, capacité de nous regarder et de regarder les autres avec des yeux nouveaux, comme l'a fait le Seigneur pour nous pardonner les uns aux autres. De là naît une grande sérénité qui nous fait accepter les choses telles qu'elles sont et non comme elles nous paraissent. C'est par ce chemin que nous parviendrons au bonheur. L'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Demandons, dans ces derniers jours de Pâques, de nous ouvrir à l'Esprit. L'Esprit, nous avons reçu lors de notre baptême et de notre confirmation. Mais il faut que, comme cadeau de plus, il ressurgisse en nous et nous fasse parvenir là où nous n'oserons pas aller. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité veut donner au monde sa paix. Prions pour que tout humain puisse s'ouvrir à ce don merveilleux et que notre terre en soit transformée. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église présente aux quatre coins du monde, pour que tous ses membres soient de vrais témoins de ta lumière, nous te prions. Thank you.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice dans ta bonté. Purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, la puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement pour Cécile Bonnet. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les puissances pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons-nous la paix du Christ en saluant les uns les autres. Paix du Christ. Paix du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, toujours attentif à chacun de tes enfants, tu nous donnes part au corps du Christ qui nous recrée dans la joie. Animé par l'Esprit que nous proclamions la puissance de ton amour dans le monde où tu nous envoies. Loué sois-tu maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Chers frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine.